cet été. Bonjour à tous. Ici CryptoAlé, 27 avril. Vous allez bien? Salut GG245, Jules 67410, salut. J'ai pas pu faire, hier j'étais occupé, j'ai pas pu faire mon live habituel, mais c'est pas grave. Ah, je me reprends aujourd'hui. Pas beaucoup de temps, par exemple, aujourd'hui. Je suis un peu pressé, je travaille tantôt. À 2h30, il faut que je quitte. Alors, j'ai une demi-heure maximum, peut-être. 40 minutes si je suis chanceux. Ça va dépendre. Salut, Trigénération, Horus, Nélis, Lico, Kevin, Noam, Bastien. Comment que je vais? Je vais très bien, vous êtes inquiet? Pour une journée, pas de live. Oh my god. Je pense que je pars pas une semaine sans avertir. Non, mais sans joke. Ben non, des fois je peux pas, puis c'est pas tout à fait évident là, de toujours être présent tout le temps. C'est très très dur. Ça arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé là. C'est pas la première, la dernière fois, là. Ouais. Alban, Lourival, Petit Biscuit. Salut tout le monde. Fait qu'est-ce que vous voyez présentement? Pour faire un changement un peu, hein, on peut parler d'autres choses des fois que la crypto, mais ça a toujours rapport pareil avec le trading, là. C'est que j'avais un programme que j'avais comme acheté il y a longtemps, ça fonctionne toujours. C'est dans le fond une technique, dans le fond assez spéciale pour trader. Il y a bien des gens qui comprennent pas ça. Ça m'a pris du temps avant de comprendre. Je comprends pas tout, malheureusement. C'est le order flow. Ça, quand on comprend ça, on est capable de faire des miracles. Qu'est-ce qu'on, présentement, on voit? C'est une charte avec le e-mini S&P 500, là. C'est le contrat du S&P 500, les e-mini, les futurs, en 1 minute. Alors, chaque chandelle que vous voyez, c'est 1 minute. Et l'avantage de connaître le order flow. Parce que les professionnels, ils tradent avec le order flow. Ils tradent pas avec les anciennes données, là. Quand je dis que quand les gens ils tracent des lignes de tendance avec des en se fiant sur le passé, moi ça me fait un peu toujours rire là. J'ai jamais tracé de ligne de tendance, puis j'en tracerai jamais là, parce que à quelque part, qu'est-ce qui s'est passé hier, c'était hier là. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 minutes, c'était 5 minutes. Là, on peut se fier un peu au passé, mais de là à aller voir loin pendant des années l'ancien plus haut, je suis pas trop d'accord avec ça. Le monde, ils vont me dire, ouais, mais CryptoAlé, qu'est-ce que tu vas faire quand ça va atteindre 3,40 $ et XRP va avoir une grosse résistance pour pas que ça monte plus, les vendeurs vont vendre. Je suis d'accord qu'il va y avoir une résistance, mais la résistance peut être passée facilement et devenir un support important, là. Mais c'est ça. Ça, c'est du order flow. Puis, ça sert énormément à savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans la chandelle en temps réel. Ça, là, c'est du temps réel. Il n'y a pas là de qu'on appelle ça repainting, là. Tu sais, exemple, je ferais refresh, puis ça va changer comme les données de place, puis ça va comme améliorer le graphique en conséquence, là. Ça, c'est en temps réel. Comme par exemple, si on recule à l'ouverture de New York, Stock Exchange, qui est à 9h30. On va aller voir à 9h30. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Moi, j'ai rajouté un indicateur. Pourquoi je vous montre ça? C'est simple. Parce que je suis en train de communiquer avec le concepteur de ce logiciel-là pour essayer de voir si avec la crypto, ça pourrait fonctionner. Si ça fonctionne avec la crypto, ça se peut que je refasse du trading. Hein? Sur une base quotidienne, là, du day trading. Et oui, vous avez bien entendu, peut-être que CryptoAlé va refaire du day trading parce que c'est très payant. Là. Alors, si vous voyez des lignes pointillées, c'est pas compliqué. La ligne pointillée orange, c'est l'ouverture. OK, le prix d'ouverture. La ligne pointillée rouge, c'est le plus bas atteint, ben, durant ce moment-là, là, que c'était là. Et la ligne verte qui est pointillée, c'est le plus haut atteint. Alors, vous voyez, à l'ouverture des marchés ce matin,
Si on regarde à partir d'ici, okay, on commence à 9h30. On voit qu'il y a eu, si on savait ça, on avait déjà une très bonne idée quoi faire avec le e-mini S&P 500, qui est les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis là, qui sont toutes dans le e-mini là. Okay, si ce n'est que ça, c'est quoi Standard & Poor's? Alors ici, on peut voir que à droite, dans une chandelle, c'est les acheteurs. À gauche, dans une chandelle, c'est les vendeurs. Ici, on a un ratio en haut, je ne vais pas rentrer en détail là. Quand on voit un chiffre en rouge, en gros, c'est des agressifs vendeurs. Alors, on voit que c'est marqué 505 ici. Ça veut dire que dès l'ouverture de la journée, à 41, à 4183, là, s'il y en a qui ne savent pas comment ça fonctionne, le e-mini S&P 500, ça fonctionne comme ça, là. C'est vraiment par tranche de 0,25, là. Comme pour franchir de 4181 à 4182, c'est 4 ticks, okay? 4 4181,25, 0,50, 0,75, okay? Alors, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de vendeurs agressifs dès le début. Et d'ailleurs, on voit que le mouvement poussait par le bas. Alors, c'est ça. Ça, c'était juste pour vous montrer que quelqu'un qui connaît comment utiliser ça peut trader et faire beaucoup d'argent. Ça, c'est des divergences. Ça, c'est. Il y a beaucoup de choses à savoir là-dedans, là. C'est pas un truc facile, je vous l'admets, là. Je me suis longtemps creusé la tête, puis je me remets là-dedans, tranquillement, pas vite. Avec ma plateforme à vie qui s'appelle Ninja Trader, c'est ça que je connais le plus au monde comme plateforme. J'ai utilisé ça pendant longtemps et ça, je suis à l'aise pour pouvoir jouer avec ça et passer des transactions ici avec le Dome, là. Alors, ça, je suis à l'aise puis je sais comment faire. Je suis pas comme perdu comme TradingView, là. On voit ici en temps réel, hein, les acheteurs puis les vendeurs à gauche, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis avec le prix, puis le carnet d'ordre, là. Ça, c'est Ninja Trader. D'accord? Alors, je vais aller voir les questions. Je ne vais pas faire un live sur l'ordre de flow, mais s'il y en a qui s'intéressent et que je réussis à savoir comment faire pour intégrer ça à la crypto, ça va vouloir dire que on va avoir de quoi sur lequel se baser, à savoir sont où hein, les gens qui vendent le XRP, là, à quel niveau, à quel prix et tout, ça vaut de l'or. Mais j'ai pas vu rien de ça par rapport à la crypto, alors je pense que je me fais des idées, là, ça n'a pas existé, malheureusement. Mais on sait jamais, hein, si ça existe pour le forex, ça existe pour les contrats futurs. On peut faire ça pour du maïs, le blé, n'importe quoi, là, le trader du porc, trader n'importe quoi, là. Ça marche sur les contrats futurs de tout, tout, tout. Je pourrais sortir ici une charte, là, de l'euro, là, qui s'appelle 6E, le contrat, et on pourrait trader ici l'euro sans aucun problème en ayant accès à ce genre d'informations-là, qui n'est pas secrète, qui existe, mais qui n'a pas vraiment beaucoup de monde qui se spécialise là-dedans. Mais moi, la personne qui j'ai acheté le programme dans le temps, il fait toujours ça, puis c'est un ancien trader de Cargill, puis il a passé beaucoup de temps là, à faire ça. OK, d'accord? Fait qu'on va enlever ça immédiatement. Je vais aller répondre aux questions en mettant le prix du XRP. On va aller voir combien qu'il est exactement. Là, je vais mettre ma charte là parce que vous n'allez rien voir. Petit instant, Chrome. Hein, comme ça, comme ça. Oups. Bon, la date, ça ne marche pas mon affaire. Attendez que j'essaie de. Je fais une page noire. Pas trop long. Ça va revenir à un moment donné là. OK. Maintenant, j'ai juste besoin de retourner ici sur FiatLeak. Bon. OK. On va aller voir ici s'il y a des questions. Mais avant tout, j'ai oublié de mettre le lien pour ceux qui ne savent pas encore que j'ai un forum public sur Discord. Publier un lien ici, là, ça veut bien copier-coller mon truc. Excusez un instant. OK, ça c'est le lien pour ceux qui veulent aller discuter de la crypto, pas juste XRP, si je l'ai épinglé dans les commentaires. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici comme question? Peux-tu nous parler de NFT, OMI ou autre? Sac Horton, ça serait juste. Ben, ce serait un sujet de conversation qui pourrait être bien là, pour un live au complet, là.
Mais pour en parler pendant 2 minutes, ça vaut pas vraiment le coup, OK? Des fois, les jetons non fongibles, c'est l'avenir pour bien des affaires. Là, on peut vendre n'importe quoi, de l'art numérique, n'importe quoi, une chanson, quelqu'un qui bouge, tout est possible. Donc, Omi, ils font de ça, là. Boris, salut, Jonathan, Lumini, coucou, t'as une question, tu penses que le XRP peut atteindre 10 $? Si oui, dans combien de temps je réponds plus aux questions par rapport au prix du XRP, là, il atteindra le prix qu'il va atteindre, moi, mon objectif. Puis c'est 1 000 à 10 000 $ d'ici 2025-2030. Jugement de la SEC, c'est pour quand? Aucune idée. Il n'y a pas de date spécifique. Ils sont toujours en découverte. C'est quoi la courbe? Je ne comprends pas trop le principe. Quelle courbe? Je parle à Petit Biscuit. La courbe. Salut, la gang. Ou la gang. Ok, ouais. Salut, Chris. F. Faradini, salut. Présentement, Chris, tu dis qu'il y a beaucoup de Turcs qui achètent le XRP parce que le président l'a banni, OK. GG, GG245, tu trouves ça intéressant, oui. Le carnet d'ordre avec les cryptos, c'est bon. Par exemple, Bitcoin, tiens-nous au courant. Ben oui, c'est sûr que si je peux avoir accès à ce genre d'informations-là, je vais venir au courant, là. JP Morgan ouvre des fonds à investir sur Bitcoin. Oui. La courbe, je sais pas quelle courbe par exemple dans le graphique, mais la courbe. Tu veux dire, mettons, les lignes pointillées que tu voyais? Ben, les lignes pointillées, c'est comme j'ai juste vu comme l'ouverture du prix, puis quand ça atteint le plus bas, ça trace une ligne, là, fait que ça nous indique un peu où est-ce qu'on en est dans le prix, là. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire par la courbe. OK. Effectivement, le order flow, c'est passionnant de voir. On peut voir les acheteurs, les vendeurs agressifs. C'est en temps réel, là. En passant, qu'est-ce que vous voyez? C'était une charte de 1 minute. Mais on peut mettre du Renko là-dessus. On peut mettre du range de 8. On peut mettre n'importe quoi qu'on veut. On peut le mettre. Ça va le transformer. Moi, j'ai mis une charte de 1 minute. Je parlais d'une charte de 5 minutes. Mais le problème, 5 minutes, c'est qu'il y a trop d'informations dans 5 minutes. Et Dieu sait que dans le S&P 500, il y a énormément de transactions. Alors, en 1 minute, des fois, ça peut dégénérer. Là, ça devient une grande barre dans le graphique. Et là, ça rapetisse et on voit comme pas tellement bien. Il faut grossir. Mais, ouais, le order flow, ma parole. Il n'y a rien de mieux que ça qui existe. Si vous découvrez ça, moi, j'ai tradé un bon bout de temps avec ça, là. C'est une merveille de savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel dans une bougie, là. Vous voyez exactement qu'est-ce qui se passe dans une chandelle. N'y a pas de truc, là, de qu'est-ce qui s'est passé hier, là. Parce que qu'est-ce que vous savez des intentions des gens? En trading, là, je vais vous le dire, c'est quoi le succès pour ceux qui veulent trader à chaque jour, là, c'est de savoir les intentions de l'autre. Si vous êtes acheteur, vous devez savoir les intentions du vendeur. Si vous êtes vendeur, vous devez savoir les intentions de l'acheteur. Si vous comprenez ça, le order flow, ça doit être quelque chose qui vous plairait, qui va vous plaire, parce que ça l'indique vraiment en temps réel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se développe. Qu'est-ce qu'on en sait si une gang d'acheteurs agressifs arrive? C'est comme ça qu'on dit, là, aggressive buyer, aggressive seller, ou t'as des passifs buyer, passif seller. Ça, c'est comme moins important, le mouvement, là. Mais quand on recherche cette espèce de mouvement-là, il faut attendre qu'il se passe quelque chose avant de prendre une décision. On n'arrive pas, puis, ah, mais que ça l'atteigne tel canal, quand on va monter en haut du canal ascendant, je vais vendre. Oui, vous pouvez tracer aussi des canaux ascendants, des triangles. Ça va vous donner une confirmation supplémentaire. Si, par exemple, votre canal, okay, il est ascendant et ça vient sur un support et que là, vous voyez avec votre order flow que vous avez des acheteurs agressifs, ça veut dire que ça tient la route, votre idée d'avoir un canal ascendant parce que c'est appuyé par plein d'acheteurs. Mais si vous voyez que ça descend sur un support, sur votre graphique et vous regardez sur votre autre graphique, l'order flow, et ça dit que finalement, c'est des vendeurs. Ben, achetez pas. Vous allez vous faire avoir. Le prix, il va aller dans le mauvais sens. Ça sert à ça. C'est formidable, le order flow. OK? Le président turc a interdit les paiements en crypto-monnaie seulement, donc tu ne peux pas acheter ta Tesla en Turquie avec ton Bitcoin, par exemple. OK? Intéressant. Est-ce que Facebook achète du Bitcoin? Je sais pas, j'ai pas lu les nouvelles aujourd'hui.
Je vais juste le regarder ce soir. Gilberto Campa, salut. Ludovic, salut. 28-29 avril, gros séminaire, oui. Tesla aurait vendu une partie de ses bitcoins, je ne sais pas. Quel crypto peut être le concurrent direct de XRP? Il n'y a pas vraiment de concurrent direct là. XLM font pas la même affaire, malgré que c'est le même principe là, okay, là, mais c'est pas nécessairement un concurrent direct XLM. Il n'y a pas vraiment de concurrent là, XLM, XRP. Trouvez-moi un autre crypto hein, qui établit autant que ça dans le monde, qui existe depuis longtemps, puis qui a des partenariats avec plein de banques, puis qui sont en train de jaser avec les banques centrales et qui se fait poursuivre par la SEC. Ça veut tout dire. Comme ça, hein, quand on se fait poursuivre, c'est parce qu'ils ont histoire quelque chose qui est gros derrière ça, là. Ils poursuivent pas même pour le fun. Puis je crois que nous, ça nous aide à avoir plus tard une réglementation sur tout et on va pouvoir être heureux d'avoir passé à travers cette tempête-là, hein, qui est un peu plate, hein, je vous l'avoue, même moi, je trouve ça plate. TradingView en weekly. On voit que notre chandelle rouge qu'on avait la semaine passée, on l'a pas mal effacé, là. On a comme regagné pas mal qu'est-ce qu'on avait perdu la semaine passée. Mais c'est pas gagné d'avance, là. Ça, c'est weekly en passant avec des bandes de Bollinger, là. Par exemple, je pourrais utiliser, si ça marcherait, le order flow avec la crypto, je pourrais utiliser ça. Si je vois que ça arrive dans une bande de Bollinger, appelez-le comme vous voulez, là, en français, peu importe, ben, vous pourriez voir que c'était-tu appuyé ici, ce mouvement-là, là, cette grosse chandelle-là, c'était-tu appuyé avant de monter? Alors, ça permettrait de faire ça, le order flow, OK? Thomas qui avait dit qu'il y a 2 jours qu'il aurait un flash crash, tu ne m'as pas connu. Je sais pas quoi dire vraiment là. Si t'avais dit ça, puis que c'est arrivé, ben c'est bon. T'as peut-être vendu avant toi, mais je veux dire, peux pas vraiment savoir ça d'avance là, un flash crash. Je t'ai pas cru, ben je sais pas. Je me rappelle pas nécessairement d'avoir eu une conversation par rapport à ça là. Monica Long, elle va être là. Ok, c'est bon ça. Ludovic. The Ripple. Azertic demande si la paire XRP, que le One XRP, là, le XRP Wrapped, existe sans passer par le One. Non, faut passer par le One. On peut pas arriver et acheter du One XRP comme ça, là. Faut aller acheter du One avant. D'ailleurs, hier, j'ai fait une transaction pour tester mon système avec Zookeeper. J'ai reconverti des Zoo en One XRP. J'ai pris mes One XRP et je les ai envoyés vers ma clé Decent. Ça fonctionne très très bien là. J'ai envoyé mes One XRP sur le Ledger qui s'est transformé en XRP. Puis ça a fonctionné. Je voulais faire un test hein, pour être sûr que je suis capable de retirer aussi. Puis juste à faire attention, hein, on peut pas envoyer à partir de la One Chain de nos XRP sur un échange direct parce qu'il n'y a pas de possibilité de mettre un tag là. Alors faut vraiment faire attention pour pas envoyer ça sur un échange. Faut envoyer ça directement sur Ledger, Decent, partout où ce qu'on est comme propriétaire de notre propre crypto là. Vous pouvez passer par leur porte-monnaie à eux, le One Wallet, un desktop wallet, et là, à partir de là, vous pouvez l'envoyer dans un site d'échange parce qu'on peut mettre un tag. Mais à partir de la One Chain, on peut pas. Okay? Chris qui cherche un cold wallet, qu'est-ce qui prend le plus de crypto possible? Decent, Trésor, Ledger. Je ne sais pas lequel qui prend le plus de crypto.
Je sais que Eddie Powell, c'est comme Picobo. Eddie, va voir Eddie Powell, Picobo. Faut que tu compares. Faut que tu ailles sur leur site et que tu regardes combien de cryptos différentes. Je pense qu'Eddie Powell, ils sont pas mal durs à battre, là. Decent, ben, j'ai ajouté celle que moi je possède. Alors, je sais pas s'il y a énormément de possibilités d'en avoir beaucoup. Trésor, j'en ai pas de clé, alors je suis pas au courant. Puis Ledger X, j'ai une S, mais je sais que la X. Il y a un peu plus de possibilités là. C'est surtout qu'elle n'a pas de fil là. Mais Ledger, moi j'aime un petit peu déçu là, ma clé Ledger Nano S là. Maintenant j'adore beaucoup plus mon Descent. Faudrait aller voir sur chaque site comparer là, qui offre quoi là. Thomas qui dit que la confiance des acheteurs est pas bonne présentement. Si je participe à des ICO, Lico, non. Si je participe à l'audience du 30, de vendredi, ben oui, je vais essayer d'écouter le plus possible. Ça, c'est sûr, là, avant que j'aille travailler. J'avais mis le lien sur Twitter ici. Allez voir c'est quoi le lien que j'ai mis, je me rappelle plus là, l'heure exacte. S'il y en a qui sont pas abonnés encore à ma chaîne, à mon compte Twitter, Olivier underscore XRP. En passant, merci beaucoup. J'ai atteint 4000 subscribers dans la nuit, dans la nuit passée. OK. 4000, je pensais même pas me rendre à 100, là. Où j'ai mis ça, le lien? Attendez un instant, profil, là. Ah non, je crois que je l'ai mis sur. Je ne l'ai pas mis ici, je l'ai mis sur Discord privé. OK? Désolé, là. Il faudrait que j'aille voir c'est quoi que j'ai marqué, là. Je sais que c'est vendredi, mais l'heure exacte. De toute façon, ça se retrouve facilement sur Twitter, là. C'est pas très, très dur de trouver ça, là. Philippe Moller, salut. Azertic, on peut passer de One XRP à XRP. Oui, effectivement. Trust Wallet est-elle l'équivalent à un Ledger? Ben, Trust Wallet, c'est en ligne, là. C'est pas pareil comme un Ledger. Trust Wallet, souvent, mettons, des cryptos qui sont plus ou moins connus, le prix, tu le verras même pas. Ça appartient à Binance, hein, Trust Wallet. Il y en a un qui dit ici à 10h pour la conférence de vendredi. Je sais pas c'est quoi l'heure. Je me rappelle pas qu'est-ce que c'est l'heure. Je vais peut-être le mettre là, tantôt sur mon profil. Vous irez voir sur Twitter. Si on me dit que le nouveau boss de la secte ne devrait-il pas régler l'affaire XRP plus rapidement puisqu'il connaît bien XRP? Ouais, mais il y a quelque chose d'autre qui est plus gros que ça. C'est ça que je me dis là. Que t'as pas qui est au courant du dossier. Pas de problème, Azerty. Ça fait plaisir. Avec le site. Ouais, avec le bridge là, pour le One Chain, c'est très cool là. Faut juste faire la bonne affaire. Dans le fond, qu'est-ce qu'on envoie au début? Nos XRP, hein, qu'on convertit en WAN, ça, ben. On fait juste dans le fond, le contraire, qu'est-ce qu'on veut les retirer. C'est simple, là. C'est comme dans le fond, hein. 1, 2, 3, puis quand on revient, c'est 3, 2, 1, là. C'est vraiment comme facile. S'il y a de quoi au pire, écris-moi, je te montrerai comment faire, là. Qu'est-ce que je pense du Doge? Ben, je pense que ça a une utilité, puis c'est pas pour rien qui commence à être pas mal implanté à ben des endroits, là. D'ailleurs, le Maverick, l'équipe de basket, là, de Mark Cuban, apparemment, il y a une fille qui a déjà payé avec ça là, pour s'en procurer.
un ticket là, pour aller voir une équipe de basketball. Puis je vois que de plus en plus, je vois qu'il y a des endroits où ils sont en train d'intégrer le Doge hein, comme méthode de paiement. Là. Alors sérieusement, faites bien attention, les gens qui parlent en mal de Doge, pour y être surpris. Je dis pas qu'il va monter cher, je dis pas non plus qu'il va redescendre. Mais il y a une utilité, puis les gens ils sont attachés à ça, pour une raison que j'ignore là. Je sais pas s'ils trouvent juste sympathique le petit chien, là, mais je veux dire, on dirait que les gens sont très attachés à cette modèle-là, là, dont les filles surtout, je trouve, là. Il y a beaucoup de filles, je trouve, sur Twitter, qui sont vraiment comme intenses par rapport à Doge, là. Mais c'est vrai, en tout cas, que même moi, j'en possède là, un peu là, pour le F-Doge de Flair Finance, mais que ça décolle, là. T'as pas le choix d'en avoir du Doge. Je suis désolé pour ceux qui n'en ont pas, là, mais on n'a pas le choix d'en avoir. OK? Pas à cause de la mosse, tout ça, là, mais mettons que c'est un gros plus d'en avoir, là. Je connais Siakouin, oui. C'est pas bête d'avoir du Siakouin. Toi, tu penses, Chris, que Brad pourrait nous offrir des XRP pour notre fidélité? Des préjudices moraux? Ouais, ça n'arrivera pas. Quelle crypto va être réglementée? Doge va disparaître. Pourquoi qu'il disparaîtrait? C'est Doge, là, en passant. C'est pas Dodge comme une auto, là, la marque, là. Dodge. Moi aussi, avant, je disais Dodge. C'est Doji. Doji, hein, peut-être qu'on le dit, là. Doge. Ouais. Mais c'est pas grave, là, les fautes d'orthographe, c'est juste drôle, là. Moi, j'en fais beaucoup en parlant, là. Et 38, le prix. On a monté à 1,44. Quand même, le range, hein, 1,23, 1,44. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, là. Tout ça, c'est un peu égal. Le prix de 1,38, 1,40, 1,50. C'est cool, mon portefeuille est dans le vert. C'est bon. Il est dans le vert depuis 25 centimes. Mais, on peut pas. Si on est du monde qui sont long terme, on ne doit pas être affecté par un prix comme 1,38. Ça ne doit rien nous faire. Ça doit glisser sur le dos comme d'un canard. Okay, l'eau, là, ça ne doit rien faire. Ça coule, puis on laisse passer ça. C'est 58 gagnants, 3 perdants qu'on peut voir. On voit qu'aujourd'hui, c'est très, très simple. Si je fais la heat map, vous allez voir immédiatement que la heat map, elle est verte. C'est 100% sûr qu'elle est verte. Il n'y a pas beaucoup de rouge là-dedans. Puis, s'il y a du rouge, ça ne durera pas longtemps, là. On voit que là, c'est vert. C'est vert, puis... Bitcoin 54 000, XRP, USDT, bon, Doge. Doge à 27 centimes. Ça tient la route pareil, hein? 27 centimes. Uniswap 39 $. Litecoin 2,57. Du BNB 5,60. Ethereum 2635. Je pense qu'ils viennent de battre leur plus haut, là. Ethereum. Minute, je vais aller voir. Il me semble que c'était pas ce prix-là. Ethereum. 2644. Niveau record, il y a moins de 2 heures, c'est ça. Ça a atteint 2664. Alors, à date, les marchés sont remontés vraiment comme vers le haut. 2 trilliards point 1. C'était un peu plus élevé que ça, il y a 2 semaines, là. Mais le gaz du Ethereum qui se maintient en bas de 100, hein, très surpris. Très surpris, mais je peux vous dire une affaire, c'est que depuis que je connais la OneChain et que je fais des transactions avec Zookeeper, les frais de transaction, c'est comme pareil comme que ce qu'on a vécu avec Flare Finance, là. C'est des montants de, par exemple, 0,00005, par exemple. Ça coûte tellement pas cher que c'est ridicule, là. Mais en tout cas, tant mieux parce qu'on va payer comme pas cher pour faire des transactions, puis c'est ça que ça devrait être. Midas qui dit que le XRP, ça date d'être compliqué. Non, c'était older, là, longtemps, non. OK. On me demande qu'est-ce que je pense de CKB, Nervos Network. Excellent projet. Rien à dire, j'ai déjà étudié le projet, c'est un bon projet. Okay. Hein? Flow vert, qu'est-ce que je pense de la suite du XRP puis le marché dans les prochains jours qui arrivent?
Honnêtement, je sais pas. Belle image pour le canard, les canards. Ben, vous connaissez cette expression-là, ça glisse sur le dos de canard, ouais. Non? Ben, je pense que c'est international, je pense pas qu'on dise juste ça ici, là. Lazreg Bekwida qui dit qu'il va finir avec des ulcères. C'est sûr que c'est pas tout le temps évident, là, mais il faut qu'on se contrôle. Des fois, on ferme aussi l'ordinateur un peu, là, pour prendre le temps de réfléchir dans quoi qu'on investit, là. Il y a d'autres cryptos plus intéressantes. Présentement, ben oui, c'est sûr qu'il y a des cryptos plus intéressantes. Je t'encourage aussi à faire tes devoirs et à étudier d'autres projets, là. Il n'y a pas juste XRP qui existe, là. Jean-Loup, Ethereum Forever. Tant mieux si t'aimes ça. J'aime aussi Ethereum, mais j'aime pas les frais de transaction. Puis j'aime pas aussi la lenteur. Puis c'est tout. Frais de transaction, lenteur. Mais frais de transaction l'emportent sur tout, là. C'est sûr que tout le monde aime ça. Les gens qui développent, ils développent là-dessus. Mais maintenant que Flare Network va arriver, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Le mot, il va se passer, là. Il y a du monde qui va abandonner Ethereum pour construire sur quelque chose qui coûte moins cher puis qui est plus rapide, là. À quel prix qui peut monter? Aucune idée. Et on répète ça sans cesse. Personne qui peut savoir. Si je vous dis qu'il monte à 500 pièces d'ici une semaine, là, les gens ils vont aller prendre leur carte de crédit pour acheter. J'ai pas envie d'être responsable, moi, de qu'est-ce qui pourrait arriver, là, ou pas, là. En passant, pour ceux qui savent pas, j'ai vendu 100% de mes safe moves. 100%, j'ai encaissé une belle somme parce que je suis rentré dans un excellent prix. J'étais avec ma femme là-dedans. On a vendu ça. Pour quelle raison je les ai vendus? Je l'ai expliqué un peu. C'est-tu expliqué sur mon forum privé? Dans tout cas, ben, je peux vous l'expliquer pareil ici. C'est que il y a un article que j'ai lu que François m'a envoyé. Merci François. C'est grâce un peu, je sais pas s'il est en ligne, là. C'est grâce un peu à lui que je m'en ai débarrassé parce que j'ai lu un article du journal du coin qui disait que dans le code, il pouvait modifier le 10%, tu sais, qu'on paie là, le 11% de slippage. Il y a 5% qui est remis au holder, puis l'autre 5% est remis sur PancakeSwap. Mais qu'est-ce qui est remis sur PancakeSwap en liquidité? C'est un portefeuille qu'ils ont 66 000 bitcoins, pas bitcoin, BNB, des Binance Coin, et que le 10% qui est de slippage, là, le 11, il pourrait l'augmenter à 100% dans le code. C'est-à-dire que si il augmenterait à 100% le slippage, c'est-à-dire que vous seriez plus capable d'échanger votre monnaie, puis eux, ben, ils attendent qu'il y ait le plus possible de gens pour peut-être par après. Peut-être, hein, j'ai pas dit qu'elle allait faire ça demain ou dans un mois ou dans un an, peut-être tirer la plug et vider leur liquidité, là. Ils ont 35 millions en Binance Coin de côté, eux autres, là, qui ont fait en argent, là. Puis, oui, ils ont bel et bien sécurisé 250 millions dans un coffre jusqu'en le 1er mai 2025, je suis d'accord. Mais en même temps, oui, ils ont sécurisé ça, mais d'un autre côté, ils pourraient tout arrêter s'ils veulent en faisant qu'est-ce que j'ai dit. Alors, à cause de cette espèce de malhonnêteté-là, ben, j'ai voulu vendre, puis je suis bien content. J'ai encaissé, j'ai payé une carte que j'avais de l'argent, j'ai payé une épicerie de malade, j'ai acheté une belle cafetière Keurig pour faire du cappuccino, j'ai payé après ça, quoi d'autre, une petite partie des dettes à ma femme, j'ai payé après ça. Quoi d'autre? J'ai tout liquidé, qu'est-ce que j'avais comme truc qui traînait là dans mes comptes. Alors, je t'en profite comme beaucoup, là. Je vais pas me plaindre, j'ai fait beaucoup d'argent. Puis, tant mieux, j'ai acheté au bon moment. OK? Juste pour vous dire, là, je n'ai pas dit de vendre, hein. Ça se peut que je regrette dans un mois, hein. Mais aussi, je pourrais me dire que j'ai fait un bon coup si jamais ça redescend. Mais ça pourrait augmenter. J'ai eu la chance des ventes quand ils étaient plus haut que ça, là, dans les 900 kecs. Je parle de 0,000, là, 5,0, c'est 900 le chiffre, là. J'aurais pu les vendre depuis faire 7-8 000 piastres de profit, mais ça n'est pas arrivé. Je l'ai vendu pour moins cher que ça, mais quand même, j'ai fait au moins 4-5 000 de profit US, là, je suis bien content. OK, bon. D'ailleurs, je suis rendu dans les questions. On fait quand même pour s'inscrire dans ta communauté. Discord public, ben, il y a un lien. Sinon, ben, Discord. Privé, c'est rejoindre ici, le bouton là. Quand on clique sur rejoindre, il y a comme deux options.
Ça, je vais commencer à modifier ça là, prochainement, là. Je vais sûrement modifier ici le forfait là. Et je fais de quoi par rapport à ça, là? Il faut que j'améliore ici le service de XRP Curieux. Puis ouais, c'est ça. On peut rejoindre ici tant par mois, là. 1,99 sur Twitter pour me parler avec des émoticônes badge ou sinon XRP Curieux là, avec le forum Discord et tout. D'accord? Alors on clique sur rejoindre. Bon. 2h06, je vais me dépêcher. Azerty, avec un One Chain et Flare, un XRP à 5 €, ça sera déjà la folie pour nous. Effectivement. Les gars, achetez du Wind sérieux, concurrent de Ethereum. Wind, un concurrent d'Ethereum. Sais pas comment que. On peut aller voir, mais moi, je crois pas vraiment que Win. Pourquoi tu dis que c'est un concurrent d'Ethereum? Win, c'était construit sur Tron, OK? La blockchain. OK. Bah, concurrent. Ça dépend, concurrent, ça veut dire belles affaires, là. Pas quoi répondre à ça. J'ai pas étudié le projet à 100%, alors c'est sûr que faudrait que je regarde plus approfondi, là. Mais une chose est sûre, c'est que oui, c'est intéressant d'en avoir. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai. Est-ce que j'en ai beaucoup? Oui, parce que ça coûte pas cher. Alors c'est sûr que c'est intéressant de d'en posséder, là. Ça coûte encore 0,01. Ce qui est très très bien. En 104e position. Et on peut voir le white paper ici. S'il y en a qui l'ont jamais vu. Le white paper est un peu plat, par exemple. Noir sur blanc même, c'est un peu plat à lire, là. Il aurait pu faire de quoi de plus beau que ça, là. Mais peu importe. C'est qu'est-ce qui est écrit dedans qui compte, là. Mais oui, Wink, c'est un projet intéressant, ça c'est clair, là. Si j'ai eu le temps de vérifier, Chris, le potentiel de minage avec Helium, non, 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 non. Je vais faire un screenshot ici avec mon téléphone là, pour prendre ça en note, comme ça pour aller voir. Alors, tu me dis Helium. On a parlé, je pense, avant-hier. Hein. Du Dent, Ludovic, oui, j'en ai. Tel coin, j'en ai. HBAR, c'était la deuxième crypto-monnaie que j'ai achetée. C'est pas la première même. OK. Quand que je pense, Sack Harten, qu'on pourra recharger nos XRP, si, je sais pas, j'ai aucune idée du prix s'il va baisser. Aucune idée. Cello, coin, personne n'en parle, pourquoi? Je sais pas. Des fois, il y a des monnaies que les gens parlent pas, puis pourtant, c'est super intéressant, là. Cello, le prix, je me trompe pas, le prix de Cello est rendu à. Combien qu'il est rendu, Cello? Quand même en 133e position. 5,58 $. Ce qui est quand même un prix qui est trop cher pour moi. Mais effectivement, infrastructure globale de mobile pour les paiements. OK, infrastructure de paiement mondiale qu'on supplie mobile. C'est sûr qu'il y a beaucoup de blocs. Il y a 6 millions de blocs. Il y a 541 000 adresses. Transactions 5,7 millions. 5 secondes que ça prend. Et ouais, c'est intéressant, c'est l'eau. Puis c'est vrai que le monde n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est quelque chose de gros. OK? Ben c'est ça aussi que Chris, je me disais, le lien entre Win et Ethereum, si on peut faire un lien entre les deux. J'ai pas étudié comme le projet à 100%, moi aussi je sais pas comment qu'on peut le comparer là. Bon, je vais aller lire avant de dire n'importe quoi. Midas qui dit que ça coince XRP, qu'on se focalise là-dessus puis qu'on rate d'autres opportunités. Non, on rate pas d'autres opportunités. T'as vu, il y a plein de gens qui a plein d'autres monnaies.
Incluant moi, j'ai au moins 18 à 20 monnaies. Alors, je rate pas aucune opportunité. Bon, Jean-Loup qui dit qu'il faudrait que ça pète la résistance de 38-2. La résistance. Si je suis capable de faire qu'est-ce que je veux faire, implanter avec le logiciel que je vous ai montré tantôt, la crypto-monnaie, dans le order flow, là, on parlerait business, je vous le dis, parce que là, on pourrait discuter vraiment de choses sérieuses par rapport à ça, là. Tu sais, des commentaires par rapport aux résistances, qu'il faudrait que ça retourne à 38,2, des Fibonacci, des choses comme ça. Là, on pourrait parler vraiment de choses intéressantes parce que on aurait la vérité en pleine face et on pourrait voir qu'est-ce qui se passe comme transaction. Comme ça, par exemple, ça permet, là, c'est le S&P 500, là, qui, je l'ai dit, est mini S&P 500. Non, malheureusement, je peux pas mettre le XRP, malheureusement. Mais, on peut voir que quelqu'un qui étudie ça, qui comprend, ça s'enseigne, hein. On peut pas étudier ça en 2 minutes, là, je vous le dis d'avance, là. C'est plutôt un truc qui s'apprend sur le long terme. Et si vous pouvez savoir comment comprendre en temps réel les transactions qui se passent, en temps réel, pas voilà, d'une minute, pas de 10 jours. Vous sentez que, OK, ici, qu'est-ce que je vous montre? Je sais que c'est une minute. C'est important de savoir un peu qu'est-ce qui se passe un peu avant, là. Mais pas nécessaire d'aller comme reculer très, très loin dans la charte. On a juste besoin de regarder à peu près l'ensemble de notre page pour comprendre de où ce qu'on vient, puis qu'est-ce qui se passe. Puis on voit que, oubliez pas, à 3h30, les marchés des futurs se ferment pour le intraday. Alors, en intraday, par après, vous devez fermer vos positions avant 3h30, sinon vous allez payer une marge pour tenir une position, dans le fond, night, tu sais, la nuit, là. C'est comme à partir de 6h, ça réouvre, là. Alors, ça fait à 3h30, ça réouvre après ça, de 3h30, c'est fini. Ça continue après ça de 4 à 5h30, parce que ça réouvre à 6h le soir. Vous pouvez commencer à trader le pétrole, l'or, peu importe quoi, là, le S&P 500, le Nasdaq, Dow Jones, à partir de 6h le soir. Avec juste une petite marge de comme 5 à 700 piastres, pas plus. Mais c'est ça. Si je peux essayer de... j'ai posé une question là, au développeur, là, d'intégrer ça à la crypto, ce serait formidable. D'acheter de l'Ethereum, ça va grimper plus vite. Ouais, mais même si j'achète 5 Ethereum, il faut que je crache plus que 10 000 $. Puis on s'entend-tu que mon argent, je ne la doublerai pas facilement, là? Je vais pas la tripler puis la faire x10 avec ça, là. Moi, avec SafeMoon, là, j'ai réussi à faire x40. Je vous le dis, j'ai mis 100 piastres là-dedans, j'ai fait 4 000. Alors, j'ai fait x40, là, avec mon investissement, là. C'est pas rien, là. Alors, c'est sûr et certain que Ethereum, je penserais pas faire x40, hein, ou même x10 dans toute ma vie, là. On reconnaît pas l'avenir, mais je crois pas faire x40 avec Ethereum. Okay. Est-ce que Ripple peut être indemnisé s'il gagne son procès? Une bonne question, je sais pas. La SEC donnait de l'argent à Ripple? Ouf, je vois pas ça du tout là, dans ma tête, mais on sait pas. Voilà, checker, il faut demander à Jeremy Horgan. Peut-être qu'il va peut-être nous répondre si on est chanceux sur son compte. Merci, Charouk, pour ton commentaire, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je pense de TacoSwap? J'ai pas été voir. Tellar, TRB? Non plus, j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais même pas c'est quoi. Tellar, TRB.
Je connais vraiment pas toutes les cryptos, hein. C'est vaste comme univers, là. C'est pas facile. Puis là, ben, je peux plus me promener sur les pages, c'est vrai. Parce que je suis sur ma plateforme de Ninja Trader, là. Je laisse ça même. Ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en temps réel. Ça fait une nouvelle expérience pour ceux qui sont pas au courant, là. C'est peut-être pas intéressant pour le monde qui aime la crypto de voir le S&P 500, mais là, vous voyez qu'est-ce qui se passe en temps réel dans une chandelle d'une minute. Présentement, le prix 4176,25. Oh, vient de monter d'un tick, 0,25. Et là, en temps réel, ça change. Des fois, là, les acheteurs peuvent être en bonne position et pour une raison X, un gros paquet d'acheteurs, de vendeurs arrive puis ils achètent tout. Puis ils repartent vers l'autre sens. Je l'ai dit un peu à l'envers, mais vous comprenez ce que je veux dire. On peut jamais savoir qu'est-ce qui va se passer. Là, on voit qu'il y a 44 acheteurs agressifs, 45. Vous voyez ici 46. Ça veut pas dire que le prix va monter. Oh, non. Il vient de se refaire ici, le canceller, avec d'autres vendeurs ici, qui sont passifs 84. C'est en train de s'accumuler à 41,76. Oups, ça remonte. Ça marche en diagonale. Quand on lit le prix, là, c'est diagonal. Comme par exemple, 84 versus 128. OK, 84,128. 85. Oh, là, il vient de s'ajouter ici 69 vendeurs agressifs. Ah, 79, ça monte. Mais la chandelle est verte. Mais t'as des vendeurs agressifs. Parce que peut-être qu'ils ont acheté ici puis qu'ils veulent revendre. Alors, ils veulent prendre leur profit. Oh, 296 vendeurs agressifs. Oh, ça vient de monter. Voilà. Fait que eux, ils ont encaissé. Et là, on l'a vu vite, 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 des acheteurs agressifs qui ont, ou des algorithmes, là, qui ont pris juste un ou deux ticks puis qui sont sortis du marché, là. C'est très, très traître, là. Le S&P 500, si vous savez pas qu'est-ce que vous faites là-dessus, ça coûte assez cher. Je l'ai appris à mes dépens. Lourival qui dit que les États-Unis préparent une conspiration pour toutes les cryptos, sachant que la Chine détient la majorité des bitcoins chez eux. Apparemment, le bitcoin est une arme financière contre les États-Unis. XRP sera la contre-attaque. Si c'est ça, ça serait super cool. Eric, tu le compares en matière de, okay, de swap ou de transaction. Ah, ok, d'accord. Si c'est par rapport en matière de swap ou de transaction, c'est sûr que oui, ok, ça c'est correct, là. Ça va être même bien mieux, là. Mais moi, je suis focusé Flare Network, là. Dans ma tête, je vois pas comme celui qui va remplacer Ethereum dans ma tête, c'est Flare Network, là. C'est juste une question de temps avant de voir ça, là. Arriver plus tard devant nous, là. Il est 2h20, il faut que je m'en aille, mon Dieu. J'étais en train de me faire. Voyez-vous ici, qu'est-ce qui s'est passé? 32,5 ici. OK. Quand le chiffre de même est en bleu, c'est très positif, ça. Alors, on peut voir qu'il y a eu un fort mouvement. Mais bon, je suis pas là pour donner un cours d'order flow, mais je voulais vous montrer pareil à quoi ça ressemble aujourd'hui pour que vous soyez au courant qu'il y a d'autres choses qui existent, qu'il y a des lignes de tendance, puis des triangles, puis c'est juste une façon différente de voir les choses. Puis c'est toujours bon d'avoir d'expérience puis des connaissances dans tout, là. Ça va vous aider. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose en vous qui dit que vous aimeriez ça, peut-être avoir plus de connaissances, puis vous allez vouloir rentrer en contact avec des gens qui font ce genre de métier-là, trader les order flow, les carnets d'ordre. C'est un métier qui s'apprend, là. Sack Harton, les plateformes d'achat que je conseille pour constituer un portefeuille. On peut en parler une prochaine fois. Faut que je m'en aille, c'est très dur à expliquer en 2 minutes, là. Solana, Serum, bon projet, oui. Amzian. Ok, je vais essayer d'en parler de Solana, puis Solana, je le connais plus, là. Serum, un peu moins, mais oui, Solana, je le connais plus. Gros potentiel, effectivement. Bon, Midas, je vois que XRP, toi, tu es vraiment comme négatif par rapport à ça, là. C'est pas grave. C'est pas un problème, là. Tu dis que ça commence mal, blablabla. C'est pas grave. Non, c'est ça, ben Win. C'est une plateforme de jeu à la base, c'est ça. Mais lui, il comparait les frais tantôt de transaction. Alors, on peut pas comparer les frais de transaction d'une plateforme de jeu à un network où les gens construisent des applications. Mais en tout cas, peu importe, là. On a compris, je crois, qu'est-ce qu'il voulait dire. Bobby, salut bien. Bon, je vous laisse, je suis en retard. Je m'habille dans 5 minutes pour que je parte. Une fois que j'ai travaillé en auto au lieu d'aller à pied, là, je me suis mis en retard. Je me suis laissé emporter par mon order flow pis tout. Alors, je vous dis.
Je quitte comme ça, vite, vite, vite. Faites un petit pouce bleu, hein? Pouce, thumb up, on appelle, avant de quitter. Puis merci beaucoup, hein, d'être fidèle à ma chaîne. 4000 abonnés, c'est pas à cause de moi, là, c'est vous autres, là, qui aimez qu'est-ce que je fais, là. Mais si vous seriez pas là, j'aurais pas 4000 abonnés. Puis je vois qu'il y a quand même 80 personnes qui, apparemment, sont intéressées à qu'est-ce que j'ai à raconter. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, si ça parlait quelque chose avec moi. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Twitter. Faites qu'est-ce que vous avez à faire. Soyez prudent sur les marchés. Hein, il y a un stop. Si vous n'êtes pas habitué, il y a un stop. Si vous faites du day trading. Sinon, si vous êtes long terme comme moi, pas besoin de stop. Vous savez vos objectifs de sortie. Objectif de sortie plus que important que l'entrée. L'entrée, c'est pas très important. Si on garde notre crypto longtemps, l'entrée ne devrait pas trop nous inquiéter. Essayez de rentrer sur une chandelle rouge là au pire pour payer moins cher. That's it. Merci beaucoup et à la prochaine, qui va être pour la vidéo quotidienne ce soir en arrivant de travailler. Puis sinon, ben demain, un autre live environ vers ces heures-là. Merci à tout le monde. Au revoir. Ciao.